Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Revue d'Actu, et ce coup-ci, on plonge dans nos assiettes. Allez, on attaque. Le zapping ambiant a sûrement déjà laissé ses sujets derrière nous. Mais il y a quelques semaines, on s'en souvient, les scandales alimentaires ont fait la une de la presse pendant quelques jours. Pizza Buitoni et chocolat Kinder viennent s'ajouter à une longue liste. La faute à pas de bol ? Rien n'est moins sûr, on va le voir. Depuis 1996 et la crise de la vache folle, on dénombre pas moins de 14 affaires d'envergure dans notre pays. Listeria, Escherichia coli, Salmonelle, le gros de ces affaires représente des contaminations bactériennes ou chimiques, dans de la charcuterie, des fromages ou encore des plats préparés. Sans oublier la célèbre fraude à la lasagne, à la viande de cheval. Sur ce point, petit challenge. Une bière offerte à la fête du Théâtre pour celui ou celle qui trouve l'origine de cette affaire. Un bel exemple d'effet papillon dont la main invisible du marché a le secret. Alors, on peut en rester à la surface, chercher des responsabilités individuelles, obtenir des excuses, des marques qui jureront la main sur le cœur que ça ne se reproduira pas, et passer à autre chose. Ou on peut se demander pourquoi ces affaires ont tendance à salement se répéter depuis quelques années. Était contaminé par la bactérie Escherichia coli en mangeant des pizzas Fresh Up de Buitoni, des rongeurs retrouvés au sein de l'usine Buitoni de Caudry. Les autorités justifient cette décision très rare par, je les cite, de graves manquements aux obligations d'hygiène. Sale coup pour Ferrero à 2 semaines de Pâques, Ferrero qui rappelle des lots de Kinder. Le groupe Ferrero a décidé de rappeler plusieurs produits de la marque après plusieurs cas de salmonellose. Encore une alerte sanitaire dans la grande distribution. Après les pizzas Buitoni, les chocolats Kinder, ce sont donc maintenant des fromages. Brie et Colomiers de la marque Grain d'Orge. Ces fromages sont susceptibles de contenir des Listeria monocytogènes. Premier point, les effectifs de la répression des fraudes. En 3 quinquennats de coupes sombres dans les services publics, ils sont passés de 4000 agents en 2005 à moins de 2700 aujourd'hui. Idem chez les services d'inspection vétérinaire, dont le nombre de contrôles a diminué d'un tiers depuis 2012, faute de moyens. Pensez-y la prochaine fois qu'on vous dit « réduction des dépenses publiques ». Deuxième volet, la course au profit des grands groupes qui contrôlent le secteur. Nestlé, par exemple, qui détient Kinder et Buitoni, fait bondir ses profits de près de 40% cette année, après avoir diminué de moitié ses effectifs en 10 ans. Moins de personnel, cadence toujours plus importante, c'est moins de rigueur dans la production et l'hygiène des usines agroalimentaires. Ajoutez à cela la suppression des comités d'hygiène dans les entreprises et le cocktail est prêt. Bref, le droit au bien manger, c'est un vrai sujet. Et là encore, l'organisation de notre société autour de l'objectif exclusif du profit financier, bref, le capitalisme, montre clairement ses limites. Tout le monde doit pouvoir manger une meilleure viande, boire du bon lait, manger des bons fromages de chez nous. En complément, ou plutôt en accompagnement du sujet du jour, on vous présente une histoire politique de l'alimentation du paléolithique à nos jours de Paul Ariès. Dans cet ouvrage, le politologue qui rappelle régulièrement que le bien manger est un enjeu de gauche examine ce que l'alimentation dit des divisions d'une société, en passant le fil des âges de l'humanité en revue. Non seulement il nous apprend tout un tas de choses sur les tables de chaque époque, mais il en révèle le sens profond. Après une campagne présidentielle où la question de la bonne bouffe a été abondamment caricaturée, vraiment, lisez Paul Ariès. Cet épisode est maintenant terminé. On espère vous avoir ouvert l'appétit sur ces questions. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite à mettre un petit pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux et à nous donner votre avis en commentaire. Merci d'avance et à bientôt !